soirée de louange organisée par un groupe qui regroupe toutes les églises évangéliques de notre arrondissement à Béthune. Une première fois dans la commune de Tovicle, plusieurs églises évangéliques se sont retrouvées la soirée du dimanche dernier pour louer et magnifier Dieu. Pourquoi une telle initiative? Victor Lokosu, pasteur de l'église des Assemblées de Dieu et président de l'initiative Tout Avedien doit être pour Dieu, et Noël Ardias Kwesivi nous confie ce qui suit. Les merveilles de l'Éternel envers nous sont nombreuses. On n'a rien à lui donner si ce n'est des louanges. On a voulu alors venir dans ce parvis ce soir pour lui rendre hommage tout ce qu'il fait pour nous. Ça a un objectif précis. Et l'objectif, c'est comment faire pour que l'évangile puisse atteindre tout le monde, toute la population de l'arrondissement d'Arédie. Ainsi donc, plusieurs activités sont inscrites au menu et permettront aux fidèles de renforcer leur voix. Actuellement, c'est la chorale qui est en train d'introduire le messager. Et on avait déjà fait le louange, on avait déjà loué le Seigneur. Après cette activité d'introduction du messager, le message va passer, et après ce message, nous avons invité une artiste, Bande, qui va plonger. Le pasteur Luc Agosou de l'église des Assemblées de Dieu d'Avedien nous dira qu'il est très satisfait et comblé de joie. C'est tellement c'est notre église qui accueille cette grande fête. C'est une très grande joie pour moi, parce que je ne pouvais jamais imaginer qu'aujourd'hui, l'église de Dieu a abrité un si grand nombre des croyants. C'est exactement des joies. Et nous bénissons le Seigneur et nous bénissons les frères et sœurs qui ont assisté à ce culte d'ensemble d'aujourd'hui.